Alors, on a vu pendant la glycolyse que la molécule de glucose, qui est une molécule à 6 carbones, donc que je simplifie comme ça, 6 carbones, était clivée pour donner deux molécules de pyruvate, qui vont être les sous-produits qui vont pouvoir rentrer dans le cycle de Krebs. Donc le pyruvate, lui, c'est 3 carbones. Et pour chaque molécule de glucose, on obtient deux molécules de pyruvate. Ça, c'est ce qu'on a vu lors de la glycolyse. Glycolyse qui avait pour bilan net la production de 2 ATP et de 2 NADH. Cette partie de la respiration a lieu dans le cytosol. Donc quand on prend la cellule, on a le noyau qui contient l'ADN et les organelles, dont les mitochondries, avec leur double membrane. Et ces mitochondries, si on les appelle les centrales énergétiques de la cellule, il y a une bonne raison, c'est que le gros de la respiration cellulaire va être effectué par les mitochondries. Donc, comme on l'a vu dans la vidéo sur les organites, ces petits organes de la cellule en quelque sorte, qui ont des fonctions bien particulières, et eh bien la fonction principale de la mitochondrie, c'est de produire l'énergie. Donc, c'est dans la mitochondrie va s'effectuer la respiration cellulaire. À part la glycolyse a lieu dans le cytosol. Le cytosol, c'est justement ce liquide qui baigne les organelles. Donc c'est dans le cytosol que se passe la glycolyse. Tandis que le cycle de Krebs va prendre place au niveau de la mitochondrie. Donc je vais faire un agrandissement ici. Si on prend la mitochondrie, on a la membrane externe, on a la membrane interne qui est repliée comme ça pour former des crêtes qu'on appelle cristae. Donc voici les Cristae, Crista au singulier, Cristae au pluriel, hein, c'est du latin. Et c'est dans la matrice, ici, la matrice, que va avoir lieu le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs. Donc, à partir du pyruvate, on va pouvoir passer au cycle de Krebs. Il y a d'abord une phase préparatoire où on a oxydation de ce pyruvate. On a l'oxydation. C'est-à-dire que ce pyruvate va perdre un carbone, on va obtenir une molécule à deux carbones, l'acétyl-CoA. Acétyl-CoA. Et c'est cet acétyl-CoA qui lui va réellement rentrer dans le cycle de Krebs. Et durant cette étape d'oxydation ici, eh bien, on a dégagement de CO2 et production de NADH. Transformation d'un NAD+ en NADH. Donc le pyruvate est oxydé, le NAD+ est réduit. Et cette phase ici, donc, qui est souvent associée au cycle de Krebs, en fait, elle n'est pas réelle, elle ne fait pas réellement à proprement parler du cycle de Krebs, c'est une phase préparatoire qui permet de produire cet acétyl-CoA. Et là, on rentre dans le cycle de Krebs ou cycle de l'acide citrique, puisque l'acétyl-CoA, molécule à deux carbones, va réagir avec l'oxaloacétate. Oxaloacétate, qui est lui une molécule à 4 carbones. On va obtenir une molécule à 6 carbones, c'est l'acide citrique. Et c'est pour ça que le cycle de Krebs peut être aussi appelé cycle de l'acide citrique. Donc on a ici l'acide citrique. Et toutes les réactions du cycle de Krebs, ou du cycle de l'acide citrique, sont catalysées par des enzymes. Donc les enzymes sont des protéines qui vont permettre de rapprocher les molécules qui doivent réagir et de faciliter leur réaction. Donc c'est ça qu'on appelle catalyser une réaction, c'est-à-dire que les enzymes elles aident à la réaction. Donc toutes les réactions du cycle de Krebs sont catalysées par une enzyme qui correspond. Ici on va voir vraiment la vision simplifiée pour bien comprendre ce qui se passe au moment de ces mécanismes. On verra plus tard dans le détail les noms des molécules, les noms des enzymes. Mais ce sur quoi je voudrais insister dans cette vidéo, c'est vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe, quelles sont les différentes étapes clés au moment de la respiration pendant ce fameux cycle de Krebs. Ce qui se passe, donc, c'est un cercle, il y a plusieurs réactions intermédiaires, et on retourne à cet oxaloacétate. Et pour revenir donc à cette molécule à 4 carbones à partir de l'acide citrique qui a 6 carbones, et bien on va avoir dégagement de 2 carbones sous forme de gaz carbonique, hein, de dioxyde de carbone, donc on va avoir deux CO2 de produits. Et durant ces différentes étapes, on va également avoir réduction
de NAD+, pour produire du NADH. Et donc ça, on va l'avoir deux fois, deux étapes qui vont produire une molécule de NADH. Et ces molécules de NADH, même si ce n'est pas de l'ATP pour l'instant, eh bien elles sont quand même importantes puisque ce sont les intermédiaires de réaction qui vont rentrer plus tard dans la chaîne respiratoire, dans la chaîne de transport des électrons et aboutir à la création d'ATP. Donc on veut vraiment tenir en compte de leur production. Donc la production de deux molécules de NADH à ce moment-là, une molécule d'ATP, donc plutôt de l'ADP qui est transformée en ATP, une autre molécule qui est réduite et qui va servir d'intermédiaire de réaction, c'est le FADH2, FADH2 qui est du FAD réduit, et à nouveau encore une molécule de NADH. Donc là, si on essaie de compléter notre bilan, on a lors de cette phase préparatoire, donc je le redis, elle peut être parfois dans certains livres associée au cycle de Krebs, même si elle ne fait pas partie du cycle à proprement parler, mais donc cette étape préparatoire, on a production d'une molécule de NADH. Mais attention, pour chaque molécule de glucose, on a deux molécules de pyruvate. Donc cette étape, il faudra multiplier par deux, on a production de 2 NADH pour une molécule de glucose. Pareil ici, le bilan du cycle de Krebs, il va falloir multiplier par deux pour l'obtenir pour une molécule de glucose entière. Et donc on a 1, 2, 3 NADH, on a un ATP et un FADH, FADH2. Donc voilà, cette partie de la respiration, donc le cycle de Krebs, va être aérobique, c'est-à-dire va utiliser de l'oxygène et va produire du gaz carbonique. Donc ça légitime son nom de respiration, c'est effectivement à ce moment-là qu'on produit ce gaz carbonique, ce dioxyde de carbone, qu'il va falloir expirer. Et si on regarde le bilan à ce niveau-là, pour chaque molécule de glucose, eh bien on va avoir ici deux molécules de dioxyde de carbone produites lors de l'oxydation du pyruvate, et à nouveau deux fois deux molécules de dioxyde de carbone produites pendant le cycle de Krebs. Donc ça nous donne un total de 6 molécules de dioxyde de carbone, ce qui fait bien le dégagement des 6 carbones initialement présents dans la molécule de glucose. Voilà, donc maintenant on peut jeter un coup d'œil à la version compliquée du cycle de Krebs. On a maintenant accès aux structures des molécules. Donc ça peut être intéressant de voir quels sont les intermédiaires de réaction, comment elles sont modifiées. On a tous les noms de ces enzymes qui catalysent les réactions. Mais on va retrouver ce dont on a parlé. Donc on retrouve ici la production du NADH au moment de l'oxydation du pyruvate. Encore une molécule ici. Et voici une troisième et la quatrième ici. Donc on a bien les quatre molécules de NADH qui devaient être produites, l'une lors de cette phase intermédiaire et trois durant le cycle de Krebs. On retrouve ici production de GTP, donc le GTP c'est la guanosine triphosphate, c'est équivalent à l'ATP énergétiquement. Eux ici ils notent GTP, mais c'est comme l'ATP. Et ce qu'on a ici, cette molécule Q, je ne vais pas y rentrer dans les détails, mais c'est un intermédiaire de réaction qui va permettre de produire ce fameux FADH2. Hein, le résultat final ici de la réaction, ça sera la réduction du FADH2. Donc on retrouve exactement ce qu'on avait trouvé comme bilan pour le cycle de Krebs et on va pouvoir passer à la chaîne respiratoire. Alors tu peux te demander pourquoi on attache tant d'importance à ces NADH alors qu'on avait dit que la production d'énergie c'était l'ATP. Eh bien parce que justement ces NADH et FADH2 vont être les intermédiaires de réaction, vont pouvoir être transformés, être réoxydés là, pendant la chaîne respiratoire, pendant la chaîne de transport des électrons et aboutir à la production de ces ATP manquants. Puisque pour l'instant, notre bilan total, on avait lors de la glycolyse production de 2 ATP. Ici, on a dit que donc on multipliait par 2. Hein. Donc on a un total déjà de 4 ATP. 2 plus 2 plus 6, on a 10 NADH. Et on a 2 FADH2. Eh bien, pour chaque NADH, on va avoir obtention de 3 molécules d'ATP. Donc ces 10 molécules d'NADH, à la fin de la respiration, ça va nous donner 30 molécules d'ATP. Et pour chaque molécule de FADH2, on obtient 2 molécules d'ATP. Donc ces 2 FADH2 vont aboutir à la création de 4 molécules d'ATP. Donc on aura bien un bilan
de la respiration cellulaire, 4 plus 30 plus 4, les fameuses 38 molécules d'ATP promises en cas de réaction optimale. Donc voilà, rendez-vous à la prochaine vidéo pour voir cette ultime étape de la respiration, la chaîne de transport des électrons ou chaîne respiratoire.